c'est Marlène que je reçois. Marlène habite le quartier, d'ailleurs c'est ma petite voisine. Et elle accepte justement de venir un peu dire ben voilà, comment ça s'est passé, comment elle a su qu'il y avait cette journée. Donc tu es contente, tu viens de te faire coiffer Marlène? Oui, ça fait du bien. Et c'est vrai que tu es super jolie. Hein. Merci. Alors du coup, bien sûr, comment as-tu su que... Comment as-tu su qu'il y avait cette journée de détente? Ben c'est toi qui as fait la pub. Alors c'est vrai que je fais bien mon boulot. Et tu t'attendais à... C'est la première fois que tu viens? Oui. Ouais, parce qu'il y a 2-3 ans, il y a eu déjà ça. Et tu sais que cet après-midi, il y a encore un atelier esthétique. Oui. Tu vas pouvoir venir? Je vais essayer. Parce que c'est vrai que bon, Marlène, elle a des jeunes enfants, donc c'est pas toujours facile de se libérer. Encore plus, oui, d'aller se prendre soin de soi, de se faire plaisir. Oui. Quand on est maman de petits bouts, ben, c'est pas toujours évident. Donc là, c'est l'occasion en fait. Hein. Oui. C'est l'occasion de venir. Et tu connais d'autres personnes qui ont l'intention de venir? Ouais, peut-être des copines et de ma sœur, ça dépend. Donc tu as fait aussi ta petite pub alors de ton côté. Un peu, oui. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des copines qui espéraient faire des mèches. Oui. On n'en est pas encore là parce que c'est des gros travaux ça quand même. Oui. Hein. Eh ben écoute, t'as autre chose à dire? Eh ben écoute, je te remercie Marlène d'avoir accepté de venir sur le plateau de la télé des quartiers. Merci. Alors à bientôt. Merci. Merci. Bon alors maintenant j'accueille Christelle sur le plateau. Bonjour Christelle. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de venir discuter un petit peu. Alors Christelle, vous venez de vous faire coiffer là? Oui, tout à fait. Vous habitez le quartier? Oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc, est-ce que vous avez déjà assisté à une journée détente? Non, pas du tout. Non, c'est la première fois. Et vous avez su comment qu'il y avait ça ici aujourd'hui? Eh bien, j'ai les affiches dans le hall de mon entrée. Mmh. Et en allant à la garderie et envoyer mon fils, du coup, j'ai vu les informations aussi. Donc, quand vous dites garderie, un petit, ça veut dire que vous avez beaucoup de temps pris avec les enfants? Oui, parce qu'il a 16 mois donc, et j'ai 3 enfants. Ah oui, donc hey, qu'est-ce que c'est bien de profiter d'un petit instant de détente? Oui, tout à fait. Et je vous demandais justement si vous venez cet après-midi pour les soins esthétiques? Non, du tout, j'ai pas le temps. Ben, c'est déjà bien d'un seul s'accorder un petit moment pour soi. C'est important parce que c'est vrai que quand on est avec on a beaucoup d'enfants, quand on vit aussi dans ce quartier populaire, ben, il est vrai que des fois les gens n'ont pas encore toujours des gros moyens pour. C'est ouais, un budget hein, de se faire coiffer, de se faire un soin de visage. Donc c'est formidable qu'il puisse y avoir. Tout à fait. Non, je suis ravie. Journée. Oui, donc vous ferez si la voilà. Si j'avais pu profiter un peu plus de la journée, ça aurait été magnifique. Bon, alors la prochaine fois, on tâchera de vous prévenir à l'avance que vous puissiez vous organiser. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, comme vous avez votre petit à prendre à la garderie, je ne vous retiens pas. D'accord, bah, je vous remercie. En tout cas, merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée à moi. J'accueille Marielle, Marielle qui est la référente famille du centre Couleur Quartier et qui avec Morgane Disseo a organisé cette belle journée. Oui. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, alors c'est une action en fait qu'on mène depuis un an et demi qu'on a appelé Un Temps Pour Soi. Et l'idée c'est de permettre aux personnes d'avoir un temps pour eux autour voilà, de plein de choses différentes. Ça peut être voilà, juste prendre du temps pour soi, ça peut être autour du sport, ça peut être autour de la relaxation, autour de l'esthétique, autour d'énormément de sujets. Du coup on essaye de balayer des choses voilà, que les gens nous proposent et de voilà, proposer des matinées qui peuvent être un peu thématiques. Et là, aujourd'hui, on a fait une journée complète. On a fait venir, du coup, les étudiants d'IFA qui nous ont gentiment répondu oui et voilà, qui ouais, viennent toute la journée voilà, travailler. Et pour le plus voilà, grand plaisir des habitants, parce qu'il est vrai que les gens qui habitent dans des quartiers populaires, bon, ben, c'est vrai que souvent, ils n'ont pas des gros revenus. Et une coupe de cheveux, ça coûte cher. Oui, c'est un luxe. Après-midi, un soin esthétique, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Donc, ça permet justement de pouvoir accéder à ce genre de soins et gratuitement en plus. Oui, alors on a une participation symbolique de 1 euro oui, sur la journée. Ça. Voilà, pour voilà, ouais, aussi, c'est un engagement. Et voilà, on a fait le choix, même sur nos matinées bien-être, du coup, de faire un tarif de 1 euro. Oui, mais. Voilà, c'était le symbole. Bien sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà eu des retours? Parce que on a moi, eu des je vois les gens qui partent, ils ne savent pas. Oui, les gens sont contents. Voilà, on espère qu'on aura encore plus de gens cet après-midi parce que c'est voilà, on a encore d'autres propositions cet après-midi, confection de cosmétiques, yoga, encore du shiatsu. Enfin, on a plein de choses qui sont encore programmées cet après-midi, du golf. Je peux rejoindre? Oui, tranquillement. Oui, c'est mieux. Bravo, c'est bon. Oh!
disais, j'ai reçu une dame là tout à l'heure, trois petits quoi, donc bien sûr un emploi du temps très chargé, oui. Mais elle a réussi à se trouver un petit moment là pour venir se faire coiffer. Oui, oui. Et elle espérait aussi venir cet après-midi, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a grève d'école. Oui. Aujourd'hui. Alors du coup, on a un peu au pied levé, on a fait venir Noémie qui est venue bénévolement du coup sur la journée pour garder du coup les enfants qui pouvaient du coup ne pas être à l'école aujourd'hui puisque voilà, oui, parce que ça aurait pu briller quand même quoi. Bah voilà, tout à fait. Donc voilà, on a fait le choix d'avoir un petit système de garderie pour permettre aux parents d'avoir un petit peu de temps pour eux malgré tout. Donc vraiment, tout est prévu quoi. On essaye. Ouais, c'est bien. Eh ben écoute, moi Marielle, moi j'ai envie de te remercier parce que boulot comme ça, faire autant plaisir à des jeunes qui vont rentrer dans la vie active et à des habitants qui viennent du coup passer un moment pour soi. Oui. Eh ben, c'est super. Donc, merci Marielle. Merci. Et à bientôt, j'espère, pour un autre moment de détente. Oui, bah oui, avec plaisir. Le prochain, c'est le 18 mai, du coup, au Centre social du Cœur Orient, autour du jardinage et des plantes. Ah, bah ça peut être aussi très intéressant. Voilà. Voilà. Alors, merci. Au revoir, Marielle.